Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une emboîture transradiale pour un patient amputé radial d'avant-bras en utilisant Vitruve. Le processus il va être le même que pour une prothèse tibiale, à savoir utilisation et création du dossier dans Vitruve patient, rectification, définition des axes et après réalisation de l'emboîture dans Vitruve rectification. On va donc cliquer sur Vitruve patient. On va aller dans le module radial, créer un patient si le patient n'existe pas déjà. On va rentrer le nom, le prénom du patient, la date de naissance du patient. On est bien en transradial, côté droit ou gauche. Et on va pouvoir rentrer le système de suspension qui va après nous donner des alertes dans le logiciel. On valide. Ici, on a la possibilité de prendre notre mesure au l'écran extrémité du pouce. C'est la mesure qui va nous servir après à monter notre main sur notre emboîture. On avait ici 47. Je vais commencer par importer des scans pour vous montrer la qualité et ce sur quoi on peut réaliser une emboîture. Premier scan de mon patient. Je suis donc sur peau. Je rentre la date du scan. Je valide. Je vais rentrer un autre scanner. Là, on sera sur manchon avec également la date du scan. Et je vais finir par un troisième scan qui, lui, est sur peau avec une date qui est ici. Je continue. Toujours la même interface avec les fonctions importer, corriger scan, définir axe. Je vais sur corriger scan. Vous voyez, je vais vous montrer ici trois scans de patients amputés transradial. Donc, on voit qu'on a un patient qui est amputé transradial pour lequel on a scanné sur peau, mais on a utilisé un baffin pour modeler les chairs du moignon et éviter des pendulums ou des chairs molles. Dans le cas du deuxième patient, on avait réalisé un manchon sur moulage et maintenant on va réaliser une emboîture sur ce manchon. Et dans le troisième cas, on scanne directement sur peau et on voit tous les repères qu'on peut mettre en place. L'intérêt du scan, il est vraiment important dans le cas d'une amputation transradiale parce qu'on va vraiment pouvoir noter directement sur le patient les découpes de l'emboîture et on peut voir ici qu'on note également les emplacements d'électrodes et donc faire le myotesting directement lors du scan du patient. Et concernant le relief osseux, on va pouvoir précisément les noter, ce qui va nous aider lors de notre rectification. Et c'est pareil pour les découpes ou les axes du moignon. On va travailler sur ce scan-là. On va déjà commencer par découper la partie qui ne nous intéresse pas. Alors ça va être important dans le cas d'une amputation transradiale de ne pas découper notre canne trop bas pour ne pas que pour pouvoir conserver la possibilité d'avoir les découpes. J'ai découpé. Ici, j'ai des petits éléments qui sont le baffin. Pour les retirer, je vais utiliser découpe sélection qui va me permettre de nettoyer mon maillage en réalisant dans ce maillage des trous. Ici. Maintenant, je vais reboucher les trous de mon scan. Il y a quatre trous qui sont ici. Je les rebouche. J'ai donc ici mon scanner avec tous mes repères, mes trous qui ont été rebouchés. Je peux continuer. On va maintenant définir les axes. Dans la définition des axes, il va falloir respecter les vues postérieures, sagittales, transversales. Et je vais venir positionner ici mon point blanc qui est l'extrémité supérieure de mon olécrane et je vais positionner également le sommet de mon olécrane ici. J'ai bien ma vue postérieure, je suis bien en sagittal à 50-50 et ici je vais être parallèle à mes condyles. Une fois que mes axes sont placés correctement dans les vues et axés de la bonne façon, je vais pouvoir continuer. Il y a un élément à prendre en compte, c'est dans la vue sagittale. C'est très important d'être à 50-50 sur la partie
en dessous de la pliure du coude, ce qui va nous permettre après de positionner nos sections dans l'axe du moignon. Je continue. Une fois que j'ai fait ce travail dans Vitruve Patient, je vais pouvoir ouvrir Vitruve Rectification. Là, je vais commencer à créer une emboîture. Pour ça, je vais ouvrir le patient que je venais de créer dans Vitruve Patient. Je retrouve ici mon scan avec les axes qui ont été validés, mon scan qui est corrigé. Et maintenant, je vais pouvoir continuer. J'ai bien ma distance au crâne, extrémité du pouce pour monter ma prothèse. Je continue. Et je vais passer par les mêmes étapes que pour le tibial. C'est-à-dire, je peux trianguulariser en positionnant l'axe de mon os d'avant-bras. Je vais définir des zones de triangulation que je peux avec la molette bouger ici et également sur cette partie-là en montant ou descendant mes zones. Ça, ça va permettre de verrouiller mon moignon. On estime qu'il faut à peu près une ordre de triangulation de 2. Je prévisualise et là, je vais avoir une triangularisation qui s'effectue sur mon moignon pour verrouiller mon os. Je peux lisser sur mon clic droit pour éviter d'avoir des zones trop anguleuses au niveau de cette triangularisation. Et je vois toujours qu'une triangularisation, c'est un déplacement de masse, ce n'est pas un changement de la circonférence de mon moignon. On voit qu'on est toujours à circonférence constante. Je peux très bien afficher la couleur de mon scan si j'en ai besoin. Une fois que la triangularisation est faite, je continue. Maintenant, on va aller sur réduction. On va vous fournir dans l'app, dans votre web app, un tableau de rectification. On va vous donner des recommandations sur les rectifications, sur les prothèses transradiale. On a examiné sur pas mal de cas quelles pouvaient être les rectifications les plus efficaces. On vous donnera ça pour vous aiguiller lors des premières emboîtures. J'arrive ici dans ma fonction réduction. Je vais noter déjà les zones osseuses que je ne veux pas toucher lors de ma réduction. Et dans ce cas de ce moignon, je vais appliquer une réduction en suivant mon tableau de mesures qu'on vous fournira. Ici, je vais appliquer une réduction sur l'intégralité de mon moignon. Je peux également positionner des sections. Et c'est là où c'est important d'en définir axe, d'avoir axé directement 50-50 pour avoir des sections qui sont dans l'axe du moignon. Je peux positionner des sections, je peux travailler toujours pareil en global ou en pourcentage. Une fois que j'ai appliqué ma réduction globale, je peux lisser mon scan, je peux toujours contrôler ma réduction avec mon tableau de comparaison et je continue. Une fois que la réduction elle est terminée, je vais pouvoir aller sur la fonction rectification. Et là, c'est important. Je réinsiste, mais il ne faudra pas découper trop bas votre scan dans Corriger scan, sinon la découpe ne pourra pas se générer. Si jamais elle ne génère pas, vous allez voir que le logiciel ne va pas rentrer dans la fonction. Dans ces cas-là, vous fermez, vous retournez sur Corriger scan et vous faites en sorte de découper le scan un peu plus haut. Je clique sur Rectification. Ici, Vitruve va me proposer une découpe pour mon emboîture radiale. Cette découpe, idéalement, c'est intéressant de la tracer sur le patient pour pouvoir la modifier. Je la modifie, je prends mes points bleus et mes points noirs, si jamais j'ai envie de la changer. Je vais pouvoir utiliser l'outil symétrie qui va me projeter ma courbe de l'autre côté. Là, je ne vais pas être tout à fait symétrique dans ce cas-là.
Ici, je peux également travailler sur les points ici. Voilà, je trouve que ma découpe elle est bonne. Maintenant, une fois que ma découpe est bonne, je peux aller dans creuser recharger. Et là, je vais ici retirer au niveau de la découpe 0,5 qui m'a permis de faire un accrochage au-dessus de ma découpe. Je prévisualise. Et là, j'ai mon emboîture avec un accrochage de 0,5 au-dessus de la découpe. J'ai ici ma distance antéro-postérieure que je peux, si je veux, descendre en me mettant sur ma mesure et en utilisant la molette de ma souris. Ici, j'ai ma distance entre mes ailes que je peux également descendre en utilisant ma souris directement sur ma mesure. J'ai ici la comparaison qui va me permettre de comparer mon scan initial par rapport à mon scan rectifié. Si jamais je veux ajouter de la matière, je peux ajouter de la matière directement ici en creusant ou en rechargeant. Je peux également réaliser des sommets en cliquant ici et en ajoutant des sommets directement sur mes zones. Ces sommets, je peux les personnaliser avec la molette en ayant par exemple moi 4,2 ici, 5 ici et ici 5,2. Tout est personnalisable. Si jamais je veux retirer mes points, je vais sur mon point, je clique droit, j'ouvre ma fonction de sommet, je clique sur mes points pour les retirer. Une fois que c'est OK, je prévisualise. Si jamais je veux faire une double emboîture, je peux cliquer sur double emboîture, ce qui va me générer une double emboîture, je vais vous montrer, directement dans emboîture. Ici, vous allez voir la double emboîture dans le cas d'une emboîture définitive. J'ai ici ma double emboîture où je peux personnaliser l'épaisseur intérieure de mon emboîture et l'épaisseur extérieure. Je vais retourner dans rectification parce que ici je veux une emboîture test. Je prévisualise. Je clique, j'enlève le clic sur double socket. Je peux également, si je veux, exporter le positif dans le cas où je veux faire un manchon. Et je continue. Donc, je vais également pouvoir positionner des pads en allant dans la fonction pad, exactement comme on peut le faire dans le cas d'un tibial, en choisissant un pad de 80, de 60 ou de 40. Je vais dans emboîture. La Vitru va me gérer une emboîture qui va être en 3 mm. C'est ce qu'on conseille pour les membres supérieurs, d'avoir une emboîture en 3 mm. Comme ça, cette emboîture elle va pouvoir être modifiée très facilement. On va pouvoir la chauffer et elle va également être transparente. Je peux ici toujours appliquer un évasé devant ou un évasé derrière. Ici, vous voyez l'évasé ici, où je peux moi-même personnaliser mes découpes ou en tout cas, je peux personnaliser mon emboîture en utilisant cet outil de modification de l'emboîture. Je peux également ici exporter uniquement le STL de l'emboîture si je l'ai appris par moi-même. Et sinon, je continue. J'arrive sur la fonction exporter. Je vais avoir ici mon emboîture qui va s'afficher avec mon scan. Je commande et j'utilise le processus de commande classique d'Evicoin et le processus de commande directement sur la web app. Je vais réceptionner mon emboîture en 3 mm. Je pourrai la chausser sur mon patient. Et après, je pourrai effectuer tout mon essayage directement sur mon patient.